disposition des familles des victimes. Le pôle de santé publique de Marseille a récupéré la procédure hier soir et a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour 4 chefs de mise en examen, homicide involontaire, blessure involontaire, mise en danger délibérée de la vie d'autrui et fabrication de médicaments sans respecter les prescriptions réglementaires et les règles de bonne pratique. Le laboratoire de l'hôpital Édouard Herriot, qui a analysé 6 poches de nutrition parentérale, 3 ouvertes, 3 fermées, donc scellées. Dans les 3 placées sous scellé, fermées, elles sont contaminées par un germe et donc vraisemblablement contiennent la fameuse bactérie qui a entraîné le décès que vous connaissez.